Je suis directeur du centre logistique de Saint-Vilbas. Le rôle du centre logistique est de mettre en œuvre la distribution des produits et des services de Rexel en direction de nos clients et ainsi d'assurer la réception des produits de nos fournisseurs, puis de préparer les commandes pour nos clients au fur et à mesure de la journée. Sur la phase de réception, nous recevons quotidiennement une vingtaine de semi-remorques ainsi que des véhicules express. Les véhicules venant des fournisseurs sont déchargés, les palettes sont mises à quai, puis dirigées vers des zones d'attente. Les contenants des fournisseurs sont ouverts, dénombrés et triés selon leur conditionnement. À chaque produit est associée une étiquette qui est la véritable carte d'identité tout au long de la vie sur le centre logistique. Les produits sont ensuite posés sur des chariots. Le chariot est alors emmené par un opérateur de rangement vers les allées de stockage. Il se positionne face à l'emplacement, scanne l'étiquette du carton ou du cartobac de l'emplacement et ainsi le produit sera disponible à cet emplacement informatiquement. Le centre logistique de Saint-Vilbas s'étend sur 25 000 m2. 4 cellules de 6 000 m2 et 130 personnes y travaillent au quotidien. Pour la préparation des cartons complets et des produits volumineux, l'opérateur part donc en préparation avec son chariot, prélève le produit, puis se dirige vers les quais d'expédition pour y positionner les produits qu'il aura prélevés. La préparation de commandes de détail s'appuie sur un process pick and pack qui nous permet de préparer de façon parallèle différentes commandes pour différents clients. Nous avons mis en place un système de contrôle pondéral qui nous permet de comparer le poids réel du colis avec son poids théorique. Si la tolérance de 100 g est dépassée, l'ensemble du contenant est ouvert, recontrôlé et corrigé. Nous sommes ici sur la câblerie du centre logistique et nous avons entre 10 et 12 opérateurs qui coupent quotidiennement sur les 10 machines qui sont positionnées le long des racks à câbles. L'ensemble des machines sont étalonnées tous les 6 mois pour s'assurer d'exactitude des coupes. Clément, dans le cadre de notre quart d'heure ligne amélioration continue, je te propose qu'on fasse un point sur les indicateurs de la semaine. Le mois dernier. Alors le quart d'heure ligne est un rituel qui a été mis en place dans le cadre de la démarche d'amélioration continue pour échanger avec les managers sur les actions en cours sur la zone, sur l'analyse des indicateurs et sur les projets qui sont à développer. Aujourd'hui, ça porte ses fruits. D'accord, ça a été communiqué en briefing aux équipes. Ouais, tout à fait. Ok. Le centre logistique de Saint-Vilbas couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, 58 agences, Rexel ou Coexel, sont livrées quotidiennement par le centre logistique. Les équipes du service agence assurent le rôle d'interface entre les agences et le centre logistique. Elles mettent en œuvre les services logistiques, organisent les commandes spéciales, traitent les litiges et vérifient que la partie aval du transport se passe dans de bonnes conditions. À la fin de leur tournée, les opérateurs de préparation positionnent les marchandises sur les points de dépose. Le rôle, par la suite, des opérateurs d'expédition est de constituer les agrès qui serviront à expédier les marchandises soit dans nos agences, soit chez nos clients via des plateformes de messagerie. En fin de journée, à partir de 22h et jusqu'à 22h30, les véhicules sont chargés des différents agrès qui ont été constitués. Le plan de transport permet de livrer l'ensemble des agences avant 7h, et l'ensemble de nos plateformes de messagerie qui livreront les clients dans la journée. Nous traitons en moyenne 4500 commandes par jour, soit l'équivalent de 15 000 lignes de commandes, et 20 camions en expédition sont mis en livraison chaque soir.